Tondo, ancien compagnon de Diawara et activiste et doyen dans la diaspora congolaise de Paris. Bonjour. Bonjour. Alors, ça fait déjà quelques mois que nous vous avions reçu. Vous nous aviez expliqué un peu l'historique de la rébellion de Ange Diawara et la fin malheureuse de Ange Diawara, aujourd'hui en tout cas du mouvement M22. Nous n'allons pas parler du M22, nous allons essayer de parler de l'actualité congolaise. Et comme je sais que vous êtes très impliqué dans l'humanitaire au Congo-Brazzaville, est-ce qu'aujourd'hui vous vous réjouissez de l'accord de cessez-le-feu qui a été signé entre M. Denis Sassou Nguesso, son gouvernement et le pasteur Ntoumi? C'est enfin la paix dans le poule. Merci de m'avoir reçu dans vos studios. Mais tout simplement, ceci, jusque-là, en ce qui me concerne, je ne voulais pas donner une réponse hâtive. Nous devons attendre jusqu'à la fin des travaux, des conclusions. Mais pour l'instant, je vais dire tout simplement ceci. C'est pas la première fois que, sous la conduite de M. Denis Sassou Nguesso, qu'il y ait en sorte ce dialogue. Au sortie de la guerre en 1997, nous avons tous vu, il y a eu ramassage d'armes. Et quelques années après, où en sommes-nous? C'est la même chose qui se répète. Donc, c'est un monsieur à qui il ne faut jamais faire confiance. Quand vous dites qu'il y a, excusez-moi, c'est quelqu'un à qui il ne faut jamais faire confiance. Lui, il a toujours tiré la couverture de son côté. Donc, quand il demande qu'il y ait, comment je peux dire, se retrouver avec les soi-disant représentants d'une Ntoumi, c'est parce qu'il sait bien sûr à quoi il s'attend. C'est un calculateur, ce monsieur-là. Donc, il ne l'a pas fait parce que, bon, il a vite compris que les gens du pôle souffraient beaucoup, qu'il fallait en finir. Mais non. Il sait pertinemment pourquoi il le fait. Donc, il le fait pourquoi? Mais de un, il le fait. Je me suis dit, il y a deux choses, deux hypothèses. Il le fait. C'est pour plus se rapprocher d'une Ntoumi et peut-être l'éliminer. Et du jour au lendemain, si nous apprenions qu'une Ntoumi au gouvernement, je ne serais pas étonné, parce qu'il l'a déjà fait une fois. Et ça l'empêchera de la faire pour une deuxième fois. Victor Matondo sur Congo Liberty. J'ai retenu une phrase, en tout cas quelques mots de vous à l'instant, lorsque vous dites des soi-disant représentants du pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces gens-là n'ont pas le mandat de M. Ntoumi? Je vous dis, cette histoire me fait rire, quand bien même qu'il y ait eu, que nous avons perdu beaucoup de nos membres de nos familles, moi je ne peux pas comprendre un monsieur au départ qui a été envoyé par Ntoumi à Brazzaville et qui s'est fait arrêter. Et du jour au lendemain, Monsieur Ntoumi Monsieur Sassou va provoquer un dialogue. Et qui est le représentant de Ntoumi? C'est Monsieur Ntondo qui sort droit des gens de Sassou. Il faut quand même se poser la question, pourquoi lui? Et pourquoi Ntoumi n'a pas dépêché quelqu'un qui serait parti de là où il est? Pourquoi Ntondo? Mais pourquoi Ntoumi n'a pas désavoué Ntondo? Mais oui, il ne l'a pas désavoué, s'il l'avait désavoué, ce dialogue n'aurait pas de crédit. Donc lui, en sorte, il est contraint il est devant un fait accompli de Ntoumi. Donc il se dit qu'il faut quand même qu'on arrive à un dialogue. Et donc, désavouer Ntondo, ce serait comme si tout s'écroulait. On voit quand même qu'il y a une bonne dynamique au sujet de la paix dans le pool. On a vu des personnes qui nous ont été présentées comme des ninjas qui sortaient des forêts. Il y a eu beaucoup de débats à ce sujet. D'aucuns ont parlé de personnes qui n'étaient pas réellement avec Ntoumi. Vous qui êtes un fils du pool, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet? Moi, je vais tout simplement dire ceci. Il y a quelqu'un qui est sur la toile qui a fait quand même quelques commentaires. Ces soi-disant ninjas
Non, plutôt une cellule, par exemple, pas des milliers, c'est une cellule du temps. Ils viennent à Brazzaville, se congratulent avec ceux qui étaient déjà dans la cour, et ils commençaient à parler lingala. Alors que nous sachons pertinemment, ceux qui sont avec Ntumi, dans le coin là-bas, où ils parlent lari, où ils parlent lingala, mais ils parlent pas lingala. Et parmi les soi-disant Zilulu, il y a ceux qui étaient bien habillés, qui étaient en survêtement comme si le pouvoir avait fait telle sorte comme si c'était un lambeau qu'il fallait qu'on les habille proprement. Et moi, j'ai vu parmi ces gens-là, il y a un qui se décape la peau. Et vous voyez même dans leur physique, il n'y a aucun qui a, par exemple, les box. Les gens qui sont là-bas, ils ont le temps de se faire tondre les cheveux. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est des gens qu'on a ramassés par-ci, par-là, et pour monter ce scénario. Moi, sincèrement, je me dis, ces gens-là, c'est encore un jeu de pouvoir. C'est encore un jeu du pouvoir. On a parlé de la libération des prisonniers politiques, en tout cas le pasteur Ntumi, pour amender l'accord qui lui a été proposé, a parlé de la libération des prisonniers politiques, a parlé de l'indemnisation des populations du Pool. Est-ce que ça, ce n'est pas une bonne chose venant du pasteur Ntumi? Mais connaissant Sassou, je pense qu'il va pas satisfaire. Il va pas. Comment je peux dire il ne va pas faire de telle sorte que ce que Toumi a demandé soit exécuté. Non. Si c'était l'initiative de Sassou, ouais, ça aurait pu passer. Mais comme c'est Toumi qui le demande, je pense pas. D'ailleurs, vous verrez quand on parle de détenus politiques, que disent les uns et les autres ceux qui sont autour de Sassou? Il n'y a pas de détenus politiques. C'est des gens de droit commun. Vous voyez comment je peux dire comment ils sont vicieux, ces gens-là? Alors donc, on va. Mokoko, c'est un prisonnier de droit commun. Qu'a-t-il fait? Il y a Oukomi Salissa, il y a Oui, Léo Kombi Salissa, et Bokota. tout cela, c'est des. Et curieusement, personne n'est détenu politique, tous c'est des droits communs. Donc c'est pour cela là, ça se va dire, moi je n'ai pas de prisonnier politique, ce que me demande un Ntoumi, je ne veux pas le faire parce que je n'ai pas de détenu politique. Et c'est là où il y aura l'impasse. Moi je pense que c'est là où encore que les divergences font, qui se font jour déjà. Et seront plus accentuées. On a quand même l'impression, Monsieur Victor Matundo, bon là il y a un accord de cesser le feu, en tout cas une commission paritaire mixte qui a été mise en place. On a carrément exclu les parlementaires de la région du Pool et même les sages hein, qui avaient demandé à Monsieur Denis Sassou Nguesso, en tout cas on les a présentés comme des sages, de ramener la paix dans le Pool. Est-ce que vous trouvez normal qu'on exclue donc les parlementaires de M. Denis Sassou Nguesso qui sont représentants du Pool et au-delà tous les Congolais, parce que le Pool c'est quand même une partie intégrante du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez? On a dit tout simplement, ça c'est de l'arnaque. Ce comité qui va se retrouver dans un coin, au coin d'une table, puis signer, moi je dis non. Et entre-temps, vous avez vu, comme vous venez de le dire, les sages ont été amenés au palais, soi-disant sages. Ben, ils ont ramené la paix, ils ont quand même fait, Oui, non? et curieusement, quand il s'agit vraiment de rentrer dans le vif du sujet, il n'y a personne. Ils sont écartés. Moi, je me dis, ça, c'est quelque chose, c'est encore un mauvais coup de la part du Sassou. Alors, quelle est la solution pour... Mais la solution, comme ce qu'avait demandé Ntoumi, qu'il y ait une table ronde tous les fils du Congo, et sous l'égide des Nations Unies ou sous l'égide de la communauté internationale. Mais Sassou ne le veut pas. Parce que s'il acceptait, ce serait sa chute. Il y a beaucoup de choses qui vont surgir. Et nous reviendrons aussi sur la guerre 97-98. Ces gens-là n'ont jamais été indemnisés. Mais quand il y a eu
comment je peux dire, la poudrière qui a sauté en pilat. Mais le pouvoir s'est vite précipité à indemniser ces gens-là. Ça n'a pas été fait. Et là même, quand j'entends, je les entends là, est-ce qu'ils ont, peut-être dans leur discussion, qu'il y ait quand même cet esprit de pouvoir indemniser des gens qui ont tout perdu? Et je vous fais remarquer que dans cette partie du Congo, il n'y a plus de vie là-bas, il n'y a plus de vie. Toutes les maisons ont été détruites, les arbres fruitiers ont été coupés, vous vous rendez compte? Est-ce que ce n'est pas un crime ça? Ils sont partis de Brazzaville avec des scies pour abattre les arbres fruitiers. Et ces gens-là à qui on demande de repartir chez eux, ils n'ont pas de maison, ils n'ont plus rien, ils ont tout perdu. Et on va leur demander d'aller de rentrer chez eux sans pourtant qu'ils soient indemnisés. Même si c'était indemnisé, de quoi ils vont vivre ces gens-là? Ils n'ont plus rien. Et ça, on y pense ou pas? Mais personne n'y pense parce que là, ce que vous me dites, effectivement, je n'ai pas entendu beaucoup d'hommes politiques congolais en parler. Comment expliquez-vous aujourd'hui qu'il y a des milliers de déplacés de Congolais dans les forêts à Brazzaville et dans d'autres localités et que les hommes politiques congolais n'en parlent pas, en particulier les députés de la circonscription du Pôle? Est-ce que ces enfants du Pôle ne sont pas abandonnés par les propres enfants du Pôle? Et si? Ça, effectivement, ces gens sont abandonnés. Et une fois, je lisais sur les réseaux sociaux un congrès qui a dit l'ennemi du Pôle, c'est l'homme du Pôle. Et moi, je dirais tout simplement ceci: ceux qui accompagnent Sassou, ceux qui sont autour de Sassou, qui sont les fils du Pôle, et qui ne disent rien jusqu'à présent parce qu'ils veulent préserver leurs intérêts, je me dis, ils sont complices. Dans d'autres cieux, ces gens-là auraient démissionné. Mais au Congo, ça n'existe pas. Victor Matondo sur Congo Liberty, comme vous le savez, aujourd'hui à Brazzaville, on parle d'un coup d'État, il y a eu des arrestations. Beaucoup disent que c'est un peu du cinéma, d'autres disent que c'était des coups d'État en préparation. Vous avez été dans la rébellion d'Ange Diawara, donc vous connaissez un tout petit peu comment ces choses-là se passent, même si ça fait déjà plusieurs années. Quelle est votre analyse à ce sujet? Et je lui dis tout simplement, Sassou, ça n'a toujours été que ces manœuvres. Je vais faire du coq à l'âne. Quand je parlerai de le fameux terroriste, on n'a jamais vu sa tête. Et jusqu'à présent, on n'en parle plus. Quel terroriste? Mais on aurait pu, entre-temps que un terroriste qui serait arrêté d'une trentaine d'années, qui serait arrêté, c'était pour, comment je peux dire, perpétrer des attentats dans les ambassades des États-Unis et de France. Oui. Et là, on n'en parle plus. Et du jour au lendemain, donc, pour pouvoir divertir encore les gens, on vient de sortir ce torchon, vient de sortir cette histoire du coup d'État. Je vous dirais tout simplement, c'est faux. C'est faux. Il y a quand même des arrestations. On nous dit que M. Damira a été arrêté. M. Nyangamboala a été relevé. Ouais. Est-ce que pour vous, ça ne suffit pas à montrer que c'est Non, parce qu'il cache les choses. Il cache les choses. Parce que je vais vous dire une chose. Ce Sassou-là, quand il s'agit des siens qui volent, il ne les met pas en prison. Nyangamboala n'a jamais été dans un quelconque coup d'État. Nyangamboala a fait la gabégie, là où il était responsable, où il était commandant de la garde républicaine. Il a détourné des millions et des millions. Et donc, c'est pour cela qu'il est écarté. Alors, dites-moi, quelqu'un qui est avec Dabira pour faire un coup d'État, le monsieur, curieusement, il est dehors. Non. Soyons clairs et disons les choses telles qu'il faut. Nyangamboala a été mis hors de cette institution de la garde républicaine, c'est parce qu'il a trop volé. Et pour Dabira, il est venu en France pour sa, parce qu'il est, il a un contrôle judiciaire ici.
Et quand il est venu, il s'est mis copieusement à table. C'est-à-dire, il a dit beaucoup de choses. Et comme les Français sont tellement hypocrites, ils ont tout rapporté à Sassou. C'est pour cela, Dabira, pour qu'il ne vienne pas à la prochaine convocation, et le monsieur est gardé en prison. Donc, il n'y a pas eu de coup d'État au Congo. Et vu ces gens-là, comment est-ce que Sassou a organisé son armée, c'est pas demain qu'il y aura un coup d'État dans l'armée. Alors, il y a un coup d'État, on arrête une seule personne, mais je pense que quand on fait un coup d'État, c'est plus beaucoup de composantes. On aurait arrêté même plus que les soldats. On n'a arrêté personne. Comment faire partir M. Denis Sassou Nguesso, puisque vous dites qu'aucun coup d'État n'est possible? Sur le plan démocratique, les choses ne bougent pas. On a vu qu'il y a même eu une épuration ethnique dans le pôle suite à la proclamation des résultats truqués de M. Denis Sassou Nguesso. Comment faire partir ce monsieur? Ben, il y a Mbaou qui l'a dit, c'est pas l'avantage de la réponse. Mbaou avait donné une réponse à propos de départ, c'est-à-dire comment peut-il faire pour se débarrasser de Sassou. Mais le pauvre, il a été ramené à l'ordre en France. Et moi, je vais lui dire, ce Sassou, écoutez-moi bien, mes compatriotes, mes chers frères, si vous pensez qu'on fera partir Sassou par les urnes, détrompez-vous. J'entends par-ci par-là, non, l'an 2021. S'il a triché en 2015-2016, tant que c'est en 2021 que ce monsieur-là aura changé, pour Sassou, ce monsieur-là, c'est-à-dire, il faut carrément, je vous dis sincèrement, les gens me trouveront un peu excessif, c'est un diable qu'il faudra faire partir par la force. Il n'y a que ça. Il faut faire partir le diable par la force et par tous les moyens. En un mot, un dictateur ne peut partir que par la force, c'est bien ça. Mais bien sûr, parce que, bien sûr. Ce que ceux qui ont des oreilles entendent, Monsieur Victor Matondo sur Congo Liberty, j'aimerais bien que vous terminiez en vous adressant dans une des langues de notre pays, ou en Lingala, ou en Lari, ou en Teke. Je vous écoute. Préfère que ce soit en Lari. Bon, na bende luta kungwa, tan kungwa wa lusi uba tangaka, samyon tana mea tuka. Me buwabu ba bingi ba bitu na beno, kaba salamu nako. Kwelani, bongoza, engoloza Sassou, reconnaissons le, ni bitu, bitu na beno. Parce qu'au bout, si on a un dénigme, on a un dénigme. Mais tout ce qui se passe au Bakongo, il y a des gens, Bakongo, il y a la carence. La preuve, on nous a tout le temps parlé des 12 apôtres. Donc, on t'angri fouéni, la jiboula messe. T'angri fouéni, la jiboula makoutou. Parce qu'on t'angri ou fouana. N'getan un couillou roukouende, roukouende nanti. Kako bachariko. Parce que quand je me rends pas si j'étais à mon âme, ben tu vas bêto. Parce que comme ma sangue. Et depuis 97, une grande partie de la population ben, jeune que le pour Kabako Indaka, l'école. Tout ça, c'est Sassou qui fait ça de sorte que bêto, tu vas quoi, tu vas quoi, donc, l'oubou qui est non. Mais, tu as le sachingi, il te dit bien. Donc, à partir de ça, moi, vous voulez que je me et que je ne m'écoute pas. 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 Alors, pour résumer le propos de M. Victor Matondo, il dit en un mot que tout ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas l'emprise de M. Denis Sassou Nguesso sur les populations du pôle, c'est d'abord tous les indices de M. Denis Sassou Nguesso, originaire de cette région, qui rapporte tout auprès de M. Denis Sassou Nguesso. Il demande au fils du pôle d'être vigilant et d'être conscient que M. Denis Sassou Nguesso veut les résumer à des porteurs d'eau, qu'il a détruit
l'éducation dans le pool pour que les enfants ne soient pas scolarisés. Bref, ils demandent aux Congolais dans leur ensemble d'être conscients que le problème du pays, du Congo-Brazzaville, c'est M. Denis Sassou Nguesso, M. Victor Matondo, Yamatondo. Je vous souhaite une très bonne année et puis je vous invite de nouveau sur Congo Liberty le mois prochain. Merci, heureusement que tu es là, c'est Kadé. Merci Yaya, à Ok, bientôt. merci.